Salut YouTube, tu vas bien? On continue la coupe, la coupe trop mignon de Pokémon Stadium. C'est parti, hein. On rappelle que Canard Tichot c'est le MVP de cette compétition, vous l'aurez deviné bien sûr. Même si Fantominus ça fait des choses. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Non, alors. J'en sélectionne qu'un, merci. Il y a qu'est-ce qu'on peut jouer en vrai? Bon, Magnéti et Fantominus sont des classiques hein, de mon équipe. Nous sommes dans la deuxième moitié du tournoi. On s'envoie à bras direct. J'ai vraiment sélectionné à bras. Je suis vraiment le pire des crétins. J'ai appuyé sur le bas, hein. J'ai pas appuyé sur le. Oh, faut vraiment que je joue cette merde. Oh. Bon, écoutez, on joue à bras. Hein. Ça commence bien. Le joystick qui a fait son travail, hein, qui a sélectionné à bras au lieu de sélectionner qu'un artichaut. Et il va me faire mal avec plaquage. Hein. Oh, il prend tellement cher à bras, il est tellement nul en défense. Bah tiens, bah, tu vas te prendre un plaquage, mais normal, j'arrive jamais à savoir si c'est physique ou spécial en 1G. Jamais je m'en rappelle. Vu les dégâts, c'est physique, hein. Peut-être paralysé, s'il te plaît? Merci. Bon, est-ce que je switch en vrai? D'ailleurs. Ouais, ça va bien pas sélectionner qu'un artichaut, j'ai le seum. Oui. Mais vague psy, mais c'est nul, vague psy, c'est de. Pff, métronome, allez, c'est bon. On fait métronome, hein, regardez. Foliane, ben parfait. C'est spé. C'est très bien d'ailleurs. Ouais, donc effectivement, plaquage, c'est bien physique. Hein. C'est bien physique. On va pas le tenir d'ailleurs. Un roll. Ouais, c'était à bras. Hein. C'est bon. C'est à bras et ma manette avait sélectionné à bras. Donc écoutez là. Mais voilà, mais j'ai envoyé, pas lui. Oh là là, mais joystick. Hein. Oh, météore, ça tue, c'est sûr. C'est physique. Je suis con, ça tue pas. N'importe quoi. Et si je la gagne, celle-là, c'est. Ah si, ça tue. Bon, ça va. Mais là, le joystick droit, il me prend qu'un peu, là. C'est sensible, hein, sur émulateur. Hein. Putain, mais qu'un artichaut, ça me mettait tellement bien. T'as pas intérêt à faire berceuse. Bon. Alors là, je sélectionne Fatal Foudre. Vais-je faire Fatal Foudre? Peut-être, oui. Vais-je le rater? Aussi. C'est sûr. Bon, quelque part, il y a une justice. Ouf! Les dégâts sont intéressants. On va pouvoir faire 2, 3, 4. Non, 3, c'est tout. T'es pas obligé de faire l'animation 3 fois, hein. On a compris. Hein. Ok, boomer. Allez, on va faire Météore, ce qui devrait tuer. Bah, si on fait bien Météore, hein, ça dépend de la manette. Hein. Ah, bah, c'est bon, ça tue Rondoudou, ça passe. Ok. Et paf, ça fait des chocs à pic. Allez, tout rappel le Rondoudou. N'importe quoi. C'est fou ça. Très bien. Abra. Au début, je croyais que c'était lui qui me l'envoyait. Hein. No fake. Hein. Mais non, en fait. Oh non, oh non, ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Tu joues pas ça. Elle valait mieux que je le réussisse et que je fasse pas cage éclair au final parce que. J'ai presque envie de faire Météore, mais ne serait-ce que pour être sûr de pas rater s'il fait clonage. Ok. Bon, normalement, bon, je pense faire 14 PV quand même. Je devrais tuer le clone. Ok. On va pouvoir spammer le Météore, c'est bon. On s'en sort bien.
On avait fait clonage, on a compris. Seulement la prochaine fois, tu peux pas le faire. Hein. Merci. Merci à tous. Coup critique. Je crois que je me suis raté. Oui, la preuve. Vague psy, on s'en fout. Ouais, par contre, on va se calmer sur les dégâts quand même, non? Qu'en pensez-vous? On a fait une petite frayeur, hein, le Havre. Mais Vague Psy, je trouve vraiment cette attaque, mais je pense qu'on est pas loin de la pire attaque du jeu, en vrai. C'est vraiment une attaque inutile. C'est fou, hein. Bon, ça passe. Ça passe non sans difficulté, hein. Ouais, c'était dur, hein. 5 canards qui est chaud. Allez, le sixième combat. On y va. Toutoulou, toutoulou. Il y a canard qui est chaud. J'appuie sur le bas, hein. Attendez. Le bas. Non, alors déjà, niquez-vous. Voilà. Globalement, Magnéti, c'est une bonne idée. Et probablement Fantominus en vrai. Il y a Monita. J'ai beaucoup de regrets. Je vais le regretter, c'est sûr. La conclusion est proche. Nous sommes à la sixième reprise. Bon, ça dépend quel est le lead. J'aimerais bien me placer avec dans Slam. Ah, il a tranche lui. Lui, il va me faire tranche. Et il est plus rapide que moi. Et j'aurais pu switcher sur Fantominus. Il fait griffe. Et voici la première attaque. Oh, son pas sensible est touché. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait dans Slam? Peut-être, pour la victoire totale. Oh, cette rencontre est explosive. Pourtant, impossible. Un rugissement qui marche pas parce que je suis en vol. Ah, c'est con. Mais potentiellement, si je te tue pas, je placerai bien dans Slam. Hein. Mais je pense qu'il le tient pas, c'est faible. Ah, c'est fou. Il tient. Hein. Le griffe, ok. Ouais, du coup, sans crit, ça vaut 0. Hein. Je vais quand même faire vol et pas furie parce que j'ai vraiment pas envie de rater. J'ai plus de chances de réussir vol que furie. En griffe. Que va-t-il faire? Ok, donc ça fait 0. Ok, très bien. Voilà les continuer. On avait vu l'importance des continuer dans le. Dans la première coupe, hein, parce que bon. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. En fait, j'ai de sable, je suis en vol. Je peux jeter du sable dans le vent si tu veux. Après, c'est vrai que vol à 4 PV, à plus 2, c'est un peu overkill. Bon, je vous l'accorde. Mais. Allez, oui. Allez, zou. On s'en va, hein. Salamèche. Avec deux niveaux, est-ce qu'il tient? Allez. J'y crois à mort. Non mais j'y crois, c'est sûr. Frénésie. J'aurais pu... J'aurais pu replacer dans Slam. D'ailleurs, c'est marrant. Je suis pas sûr que Canard Tichot prenne vol en 1G. Je suis pas sûr. Hein. Je dis ça avec quelques doutes. Hein. J'en suis pas sûr du tout. Si vous le savez... Je vous invite bien à me le dire, parce que je sais pas du tout. Les cheveux, c'est catastrophe. Bon, ça tue. Nickel. Ça m'arrange fortement de le tuer en un seul coup. Tout à fait, Thierry. Nosferapti, il avait pas tenu, hein. Il avait pas tenu, je crois, le vol, hein, plus 2, hein. Bon, après, il est niveau 27 et pas 25.
Mais ouais. Bélier. Le bélier, d'accord. Quelle sera la suite? C'est bien. Wow, c'est raté. Ah, c'est raté, hein. Prochaine rencontre est explosive. À voir si ça tue. Suspense. Ça, un coup critique, donc du coup, oui. On ne saura pas. Ah, ça tue pas! Ah, mais non, ça ne tue pas. Bon, par contre, tu risques de tuer avec bélier, MDR, quoi. C'est le. Que va-t-il faire? Ah, ça fait des dégâts quand même, hein. Mais ça fait une victoire totale. C'est appréciable. Allez, au revoir. Bravo, Canarticho, bravo. Autant on avait eu Shanxi sur la première coupe, là on a Canarticho. Ça change un peu, n'est-ce pas? Ok, Volcan. Il ne reste plus que deux combats, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc. Et on affronte le canon. Bah, par Kabuto. Ah, oh, il y a Pikachu quand même. Je pense qu'on va prévoir malgré tout Rakaillou. Alors, je vais quand même envoyer. Alors, je dis bien Canarticho et pas Abra, hein, parce qu'on sait jamais. Rakaillou et. Quel est le dernier qu'on envoie? Canarticho, Rakaillou? Ammonita. Masse bah ouf, hein. Fantominus. Sachant qu'il y a Rondoudou, Melofé comme potentiellement des attaques de type normal. Fantominus avec méga sensu sur Kabuto. Bon, je pense que Kabuto. Fantominus est un bon choix. Hein. Nous y voilà, les demi-finales. Autant dire que perdre ici est une honte. Mais nique ta mère le jeu, hein, franchement. Je veux pas jouer à bras. Bon, ceci dit, j'aurais eu Canarticho contre Pikachu. Hein. Alors, de mémoire, on peut cage éclair, hein, Pikachu. Hein. Ouais, je suis plus rapide que Pikachu, hein, mais bah oui. Donc, normalement, on peut paralyser un Pokémon électrique. Voilà. Nous sommes un G. Donc, oui. Oh, t'as le seum. Hein. On va faire vague psy, mais bon, on va pas faire autant de dégâts que le bras de l'autre couillon, hein. On va pas vous mentir. Voilà, ça va faire le minimum dégâts. Voilà. Bon, ça va en vrai. Je ne sais pas me plaindre. Ah, par contre, des cages éclairs, niquez-vous, hein. J'aurais pu envoyer Rakaillou. Il est vrai que j'aurais pu envoyer Rakaillou. On va faire vague psy, on attaquait quand même avant lui, hein. Est-ce qu'il va me faire mentir et me faire le minimum de dégâts ou pas du tout? Ouais, bon, là on n'a pas fait. Je sais même plus, pour vous dire tellement elle est nulle, je sais même plus comment ça marche. Tonnerre, il va quand même. Ah ouais. J'ai une bonne spé, hein. Mais vague psy, oh, c'est une attaque à oublier. J'aurais pu faire plaquage pour être sûr de. Oh, vive attaque. Ça va faire plus de dégâts, je pense. Bon, quasiment autant. Ce n'est plus. Mais espèce de connard! Espèce de connard! J'ai envoyé Rakaillou le jeu, hein. Tu penses que tu m'envoies Rakaillou là? Ou tu m'envoies Canarticho? Parce que visiblement. Tu envoies ce que tu veux un peu. Hein. Bon, envoyer Rakaillou sur 5 PV, bon. C'est un peu. Et je me dis que Abra peut faire quelque chose. Encore. On va faire force. Pour être sûr. Il fait vive attaque forcément. Sinon on attaquait plus vite. On attaque avant lui quand même. Bah ouais, mais c'est bien. Bon, sachant que j'ai destruction et Krakaillou si. Si vraiment je suis emmerdé, mais bon. S'il m'envoie. Goopix ou. Je sais plus qui c'est qu'il avait d'autre. Pour Krakaillou. Pardon. Oula, le glitch incroyable. Melofé. Bon, sur métronome, je peux. Ça peut être un problème. Est-ce que je fais destruction? Ah, si je peux éviter destruction, ouais. Ah, son esquive s'est améliorée.
Lilliput, je te déteste. Mais après, je me dis que Melofé sur Fantominus peut rien faire. Hein. Par pitié, touche-le. Heureusement qu'on n'a pas fait destruction, parce que si on le ratait... ça c'est bien ça. Oh le crit, le OHKO. Ah ouais. Ah ouais. Arakaïou. T'as BG. BG le Arakaïou, pour le coup. Et Goupix. On va assurer le coup. Hein. Ah, j'aurais pu faire tunnel. Mais je fais un jeu de pierre. Hein. Voilà, et là, j'aurais qu'un artichaut. Non, mais Vincent. Attendez, si je fais tunnel. Il peut me baiser la gueule. Hein. Si je fais tunnel. De toute façon, il va me toucher. Je fais tunnel. Derrière, il recreuse un trou, il me baise la gueule. Donc, je fais jet de pierre. Goupix tunnel. C'est original. Ah, quand même. Bon, j'ai une bonne défense, hein, heureusement. Oh, le petit glitch de Gemu. Ça tue ou pas? MPV. On va regardez, on va le tromper, regardez, voilà. Regardez, c'était calculé, regardez. Victoire totale. Voilà, et là il fait quoi votre pote? Il fait rien. Là il fait rien. C'est pour vous, hein. Ah, tu fais tunnel? Mais je suis pas remonté, oh, c'est con, hein. Allez, bisous. Moi c'est stabé, en plus j'aurais pu le tuer en un coup. Hein. J'étais loin de me douter qu'il avait tunnel. Hein. Allez, nickel. C'est le GG. Allez, le dernier combat, on a 4 continués. On n'avait pas perdu de Pokémon. Hein. Oui, c'est ça. Très bien. Allons-y. C'est parti! Bon, le top dresseur pour terminer. Fantominus là. Alors je sais pas, hein. Attendez. Non. Ammonita sert à rien. Et Rakaïou pour Nidoran et. J'espère que j'ai bien ce que je veux. Fantominus, Canartichaud et Rakaïou. Bon, Fantominus, c'est bon. Attendez, on va vérifier une chose. C'est bon. J'ai bien Canartichaud. Ce serait con de perdre sur la DER. Il peut avoir double pied Nidoran, hein, mais je pense pas qu'il fera double pied sur Fantominus. L'ordi est con, hein, des fois. Darvenin. Bon, ça fait zéro, mais je peux être empoisonné. Et voici la première attaque. Nickel. Oh, cela n'a pas fait trop mal. Sont-ils en train de jauger leurs forces respectives? Ok. Un pa... Quoi? Par piqué, touche pas. Et pas le corne. Ah, manqué. Est-ce que j'ai eu peur? Non, jamais. Hein. Jamais. J'ai jamais douté. Jamais douté de. Et là il fait pas un palcorn. Ah bah oui, mais de toute façon je suis. De toute façon je suis dans le trou. Mais s'il faut son pote femelle, il a un palcorn aussi. Hein. Tue-le par pitié. T'es un BG Rakaïou. Bon, l'objectif est clair, la victoire totale. Oh ce glitch. Oh ce glitch sur l'émulateur, c'est fou. Hein. Miraco. Niveau 30! Au secours! Va faire cage éclair, mais non, il peut pas. Ah ouais! Une attaque vigoureuse! Ah, dans les dents!
Il a Dracorage. Il a Dracorage, dis donc. C'est sacrément culotté ça. Putain, il a laser glace aussi hein. C'est le laser glace. Ah, il a manqué la cible. Fais le plus de dégâts s'il te plaît. Je ne saurais que dire. Laser glace, bah ça tue. Et ça ? Ah, c'est super efficace ! Oh, le voilà KO ! Pokémon va faire son entrée. Il fait peur hein, ce mini dracon, en vrai. Changement de Pokémon. C'est pas gagné, hein. Pokémon sont de type totalement différent. Alors il y a le risque à prendre, c'est en folie. Si on est sage, on fait ténèbres. Que va-t-il faire? Un bon coup. Ça, tout dépend ce qu'il va faire, mais il risque de faire Dracorage et ça va faire très mal. Ouais, ça va faire très mal. Mais bon, c'était prévu, 40 PV. Mais Dracorage dans cette compétition, c'est un peu craqué quand même. Hein. Oh, cette rencontre est explosive. C'est un poil craqué. Hein. C'est étonnant qu'ils ne soient pas bannis d'ailleurs. Bon, bon débarras, c'est niveau 30, hein, mini Draco. Voilà, c'est fort. Hein. Ah, plus qu'un Pokémon en réserve. Et l'autre qui avait un Palcorn, hein, on le souligne aussi. Hein. Ok, Nidoran femelle. Qu'on va sûrement confus en vrai. De Pokémon sont de 2 à 1. Je vais le confus. Je vais le confus derrière, je fais ténèbres. Pour laisser la place à Canartichaud. Il est devenu dingue. Mais en plus, je crois qu'en Palcorn, en 1G, il s'en branle du niveau. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut niquer le game avec un Nidoran à la ligue. Il y a une histoire à la con comme ça. Et je pense que là. Enfin, pas comme dans les dernières générations, en Palcorn, où il faut être de niveau supérieur. Là, oui, c'est pour enfin, c'est quand même, ça reste une attaque aberrante. Hein, mais bon, bref. Enfin, quand on réfléchit, c'est aberrant. Ouais, mais baisse ma défense, Tifo, tu peux rien faire parce que Darvenant, tu peux pas m'empoisonner. T'as probablement double pied, tu peux pas. En Palcorn, je pense que ça me touche pas, en fait. Donc c'était le play... Fantominus, c'était vraiment le bon choix. Allez, il restera un ténèbre et c'est gagné. Bon, quoique derrière, Canartichou peut gagner. Il avait patience, hein. Ah ouais, mais patiente, hein, c'est, ton dernier, c'est ta dernière patience. Hein. Allez, c'est GG. C'est bien. Ça s'est bien passé. Hein. Et paf. Ça fait des choucatifs. Et bien voilà! Bravo Fantominus, bravo l'équipe! Hein. Finalement, on s'est pas servi d'un moniteur. Mais Abdabra! Bravo! C'est pour vous, hein! C'est pour vous cette victoire, hein! Bravo! Ah oui, c'est vrai qu'il y a la cinématique. Hein. Fantominus, Canartichaud, oui. Il nous a beaucoup aidé. Rakaillou aussi. Enfin, Rakaillou était un bon choix, pas déçu. Voilà. Magnéty a fait du bon travail aussi. C'était un choix correct, même s'il n'y avait pas de tonnerre. Et Amonita qui a le mérite d'être dans l'équipe. Voilà. C'est tout. Et la coupe est à nous. Petite coupe terminée. Bravo. C'est GG. Il y a moyen de voir où c'est qu'on voit. On peut les voir ici, non? Je sais plus. Non mais. Oh, c'est chiant! Non mais il n'y a pas moyen de voir autrement les trucs là?
C'est chiant! Je pourrais avoir quand même un Pokémon que j'ai utilisé ou Nidoking. Voilà, bah Nidoking. Qu'est-ce qu'il a fait Nidoking? Célébrité, pique à coupe. Ok. Mais le Delph pique à coupe, ok. Bon, c'est marqué là, bon, en tout cas, bon. C'est juste chiant. Hein. Oh, c'est trop chiant. Oh, ça m'a saoulé. Ah, c'est chiant, par contre. Bon, en tout cas, c'est GG, c'est la victoire. Deuxième coupe gagnée. Donc la prochaine fois, ce sera une coupe comment d'ailleurs? Ce sera la coupe, la Pokécoupe, le tournoi officiel de la Ligue Pokémon. Testez vos capacités pour devenir champion. Donc on verra ça la prochaine fois. Des bisous YouTube. Je sens que la coupe élite niveau 100 va être quelque chose. Hein. Des bisous YouTube. N'oublie pas le pouce bleu bien sûr et on se retrouve la semaine prochaine très probablement pour la suite Pokémon Stadium. Des bisous. C'est l'animation. L'animation.